Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Revolt sur Dreamcast, un jeu sorti en 99, édité par Acclaim, comme vous l'aurez vu tout en bas du appuyer sur le bouton Start. J'attire votre attention sur le sur la musique de fond. On dirait, c'est tellement le genre de musique des années 90. On dirait le groupe ATC avec la ni na 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 na, ce genre de truc comme ça. Bah c'est pas ATC, c'est un groupe, mais ça me fait directement penser à ça. Allez, c'est parti, donc on va voir. Donc vous l'aurez compris, Revolt, c'est un jeu de petites voitures et de commandées que j'ai eu l'occasion de découvrir en fait en multi avec d'autres personnes, notamment Guillaume, que je remercie. Et donc on va voir les options. Donc on a en piste, on a le meilleur temps, la table de progression, les options, l'édition du circuit. On va voir les options. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va voir si le son est pas trop fort. Je pense que c'est bon. Config du jeu, config audio, voir les crédits. On va faire config du jeu. Nombre de tours, nombre de voitures, on peut mettre jusqu'à combien de voitures? 12 voitures? Eh quand même, c'est pas mal. Voiture aléatoire non, sac aléatoire non, bonus oui. On va mettre des kilomètres, des K-heures mesurés. On a des FPM, on a des miles par heure. On va mettre des kilomètres heure tout court. Mode arcade, on va mettre simulation. On va faire comme il faut. Voilà, je pense que ça l'a gardé en place. Ouais, c'est bon. Donc on va faire OK. Config audio, alors on va baisser un petit peu le volume de la musique qui est un peu fort, donc on va mettre en 70, on va mettre les CFX un peu plus haut. Voilà. Et on va donc voir les crédits, voir la galerie. Oh la galerie, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ok, donc on a quelques modèles, on en a 15. Là tout va bien. Ouh, c'est quoi ça? Attendez. On a des stickers, on a un peu tout, on a quelques artwork. Là c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on va se battre, on va se balader sur des circuits assez sympas. En tout cas si on s'en réfère au screenshot que l'on a là. Bon, on va revenir en arrière. On a un état de circuit, peut-être qu'on testera à la fin. On a les meilleurs temps de progression, on va faire en piste directement. Alors on a un mode course unique, championnat, multijoueur, contre-la-montre, entraînement et même cascade. Il y a de quoi faire pas mal de choses. Allez, on va faire une petite course unique pour déjà découvrir le jeu ensemble. Alors, on utilise une roue du coup pour écrire notre nom. On va donc faire notre nom, voilà, hop, c'est parti. Et on tourne la roue au maximum et on va terminer. Alors, on a des boîtes de voitures en fait, simplement, avec différentes classes, débutant, on peut voir la vitesse, l'accélération, le poids. Alors, je pense que le poids a un impact quand on est contre d'autres véhicules. Et surtout peut-être dans la réaction quand on fait des sauts, je sais pas, j'essaie d'imaginer à peu près ce que ça pourrait donner. Alors là il y a un poids énorme, le Fat Slug, regardez-moi ça. Dust Mite, ok. On a le Colmos. Alors là tout ça, regardez en bas, on a les boîtes. Alors j'aime énormément l'interface 3D du jeu. Le menu franchement, ça a vraiment chiadé, ils sont vraiment embêtés à faire un truc classe. Et franchement c'est vraiment bien réussi. On a le Harvester. Ok, 4-4, hein. On a le Dr. Grudge. Alors lui il a l'air un peu... En plus il est 4-4, haha, donc ça peut être intéressant. Là c'est transmission arrière, Vulcan Turbo. On a le Sprinter XL, donc ça ressemble plus à des voitures classiques. J'ai bien envie de prendre une petite voiture du Dr. Grudge pour essayer. On va faire comme ça. Alors, on a Toy in the Hood, on a Supermarket 2, on a Museum 2, Botanical Garden. Et apparemment on a des variantes. Quand on fait touche haut, touche bas. D'ailleurs c'est drôle parce que regardez, on a MR, c'est totalement c'est totalement bizarre la façon dont c'est proposé. On va essayer de revenir sur un truc qu'on a. S'il veut bien. Voilà, c'est bon, Botanical Garden. On a aussi tout ça comme... ah voilà, toutes les maps qu'on va pouvoir faire. Ça a l'air vraiment complet, sincèrement. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de courses. On va revenir sur la première, on va mettre la longueur, alors voilà, on a plusieurs variantes en plus, 447 mètres. Je suis un peu perdu par contre dans le choix à chaque fois des... Dans le choix des maps, c'est un peu bizarre, parce que là je fais MR, MR, RMR, MR, c'est la même chose j'ai l'impression. Non, ah voilà, c'est bon, j'ai réussi. Non, j'ai encore appuyé sur le bouton, il fallait pas. Voilà, c'est bon. Yeah, je vais pas y arriver, je suis désolé, j'arrive pas à changer la variante, à chaque fois ça fait haut, bas, c'est trop bizarre. Voilà, c'est bon, on est ok.
Alors, on revient en avant, voilà, à nous. Hop, on a mis la difficulté facile. Donc, on aura 12 voitures, donc 11 concurrents avec nous, hein, c'est pas 12 plus 1, 13. Et on va du coup lancer la course. Alors, nous sommes partis. Ah, ça fait du monde quand même, hein. Alors, on accélère avec. Ah oui, pardon, c'est avec les gâchettes qu'il faut accélérer. Du coup, ça m'a permis de vous montrer qu'on a plusieurs vues. On a des items à récupérer. Alors, du coup, je vais essayer de changer la vue. Ça, c'est pour voir derrière. Ça nous permet de. Alors, quand on appuie sur Y, ça nous fait revenir. On a même une vue cinématique. Alors, attendez, j'essaye du coup d'être dans l'ordre, de faire dans l'ordre. Donc, on peut changer, on a plusieurs vues. Vous avez pu voir la vue cinématique, la vue un petit peu derrière, un petit peu devant. Donc là, on est contre deux voitures et on est un petit peu dans un décor apparemment. Apparemment, dans une rue en fait, simplement. Hein. On va essayer de passer par là. Ouais, on a une étoile, non, j'ai pas réussi à l'avoir. Ah, c'est dommage. On peut utiliser les items. Voilà, si j'appuie sur le bouton A, j'utilise les items. Alors le son m'a l'air un peu fort, je suis désolé, on va arrêter un tout petit peu. Ou c'est peut-être que pour moi que le son est fort, après peut-être que j'exagère un peu. On va juste baisser le CFX à 70%, je pense que c'est pas mal. Voilà, ouais, ça me paraît un peu mieux. Et là on rentre même dans les égouts. On va ressortir par là. Alors le jeu est assez aliasé, mais bon, c'était aussi le défaut des jeux PS2, Dreamcast à l'époque. Il n'y a que la 64 qui avait l'anti-aliasing. Et sur la Dreamcast, c'était vachement visible aussi, peut-être parfois un peu plus que sur la PlayStation 2. C'était déjà un exploit, parce que la PS2 c'était vachement, vachement visible. Alors évidemment, je ne vais pas aller tout droit, choisir les bonnes trajectoires, mais si je vais tout droit, je ne peux pas prendre les items qui vont nous aider à peut-être avancer un peu plus rapidement, ou poser des soucis aux concurrents. Alors je trouve déjà le jeu plutôt réussi, en tout cas graphiquement parlant. Puisque comme vous pouvez le voir, c'est assez détaillé, il y a pas mal de choses sur le circuit. La framerate est plutôt correcte. Il n'y a que l'effet de pixelisation qui sera peut-être un petit peu réduit dans la vidéo pour vous, qui rend les choses un peu moins jolies. Mais franchement, pour ce genre de jeu, je trouve pour l'époque, en 99, hein, c'est le contexte, on est quasiment un an et demi. Un an et demi, c'est pour le japonais. Avant la sortie de la PlayStation 2, on est sur Dreamcast, donc c'est un petit bit toujours. Et franchement, ça renvoie quoi. C'est ce que vous aurez pu avoir sur un PC en fait, en 99 à peu près. Et je pense même sur PC, c'était pas forcément aussi joli que ça. Bon, là on est très loin, on est 3ème tour sur 3. Je suis 4ème, on a une petite flèche à droite, en bas à gauche, pardon, qui nous dit où il faut aller. On est au maximum, hein, 49 km/h. Avec des vrais kilomètres, c'est pour ça que j'ai préféré choisir ce genre de réglage d'affichage, parce qu'au moins on peut comparer avec des vraies voitures. J'ai passé sous la BM, j'ai une BM 318 CI, c'est un peu... Je sais pas s'ils ne sont pas amusés à faire des voitures qui ressemblent réellement, pour vraiment donner un aspect réel au jeu. On est second, je vais essayer de rattraper le premier. On va rentrer à la bouche du coup. Alors faire attention quand même, parce que... Voilà, bon, déjà je me suis défoncé. Allez, à nouveau, regardez. Voilà, ici c'est assez difficile de piloter dans la conduite d'aération, enfin la bouche d'égout, pardon. Et je finis deuxième quand même, ça, j'ai eu du bol. Parce que la voiture a tendance à partir d'un coup de l'arrière ou de l'avant quand on est sur les bosses. C'est une voiture qui n'est pas forcément très stable, parce qu'elle est très légère. Et je pense que par exemple, si on avait pris le gros buggy, on aurait peut-être été beaucoup plus stable, même si on était plus lent. Donc on va appuyer sur le bouton Start, on va faire quitter, et on va revenir au menu, voilà. Donc on a terminé quand même à 7 secondes du premier. On était en mode facile en plus, hein, donc on va faire quitter, voilà. Et on va découvrir un petit peu les autres modes de jeu. On va faire le mode casquette maintenant, comme ça après on fera un mode championnat, on verra un petit peu comment se déroule le mode plus ou moins carrière. J'imagine qu'il y aura énormément de modèles à débloquer. Alors, on va faire donc meilleur temps en piste à nouveau. On va faire le mode cascade. Alors, je sais pas si c'était bloqué. Oui, c'est bon. Notre nom à rentrer. On va changer notre véhicule. On va prendre par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Tiens, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là, tiens. Une transmission arrière.
Alors, voiture de jeu, cascade, voiture numéro 1, Volcan Turbo, étoile 0 de 20. Alors j'ai l'impression qu'on va devoir aller chercher les étoiles. On dirait un petit peu le mode chasse au... Ah, j'ai pas de temps. D'accord, ok. Donc, oula. Alors attendez, parce que je me suis bloqué les roues. J'ai pas de temps, le but c'est juste d'aller chercher les étoiles. Oula, ok, donc il y a un petit conduit ici. Donc j'ai 20 étoiles à aller chercher sur ce tracé. Et je me suis complètement loupé. Alors je me rends compte que les, chaque véhicule a aussi un bruit différent. Ça c'est quand même bien vu. Donc là il faut que j'imagine, il faut que je trouve en fait comment chercher les étoiles. Parce qu'il y a l'air d'avoir des sauts un peu partout. On va prendre le tracé pour le sens central et on va voir, voilà, à mon avis il est passé par là. Alors je vous ai pas trop parlé de la maniabilité alors qu'on voit quand même que la petite détail graphique là de la petite tige pour l'antenne radio qui est plutôt, plutôt bien rendue. Là je me suis loupé. Alors si j'appuie voilà sur Y, hop, je reviens sur la piste, enfin il me reset la position du véhicule. Et donc là je vais pouvoir choisir. Oui je disais que les voitures sont plutôt bien rendues. Avec le petit effet sympa là. Et au niveau de la maniabilité, bah écoutez, on sent quand même la différence. Vous voyez là j'ai ralenti un petit peu, la voiture elle est partie totalement de l'arrière. C'est bon, je sais pas si c'est vraiment c'est réaliste hein, j'avoue que c'est pas. J'ai pas conduit de voiture radio commandée depuis un bail. Enfin marche arrière aussi, avec la gâchette de gauche. Donc là il y a une étoile, je pense qu'on va essayer d'aller la chercher. Il faut que je tourne en fait directement là. Voilà, c'est bon. J'ai récupéré l'étoile. Et du coup, on est à 3 étoiles. Bon, enfin, c'est de la chasse aux étoiles, vous aurez compris. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à vous montrer, en tout cas dans ce mode de jeu. Bon, potentiellement, je pense qu'on peut débloquer peut-être un... Peut-être un... Ah, j'ai loupé. J'ai pas eu. Je l'ai pas eu non plus? Ok, je pensais que je l'aurais eu. Et puis en plus, c'est marrant parce que, regardez, les 3 étoiles qu'on a débloquées, on a vu qu'elles sont au même endroit. Puisque... par rapport à la ligne en haut à gauche toute blanche, on a pris que celles qui sont au milieu, on a pas pris les autres. Je vais retenter mon coup, je vais en avoir une ou deux, et puis après on va passer au menu suivant. Là je suis sûr que je peux l'avoir là. Ouais c'est bon, on l'a eu. Ouais on a eu les deux, parfait. On va revenir à l'intérieur ici, et on va voir, ah il y en a encore une à aller chercher. Ah j'ai loupé. J'ai loupé. Et là, par exemple, je suis bloqué. Regardez, ça s'est bloqué entre les deux. On a un petit passage ici. Là, on en vient, donc on va faire un demi-tour. Alors, quand on freine avec une voiture radio commandée, en général, vous avez la petite manette. Et en fait, on freine pas vraiment. C'est le fait de juste le fait d'arrêter d'accélérer. Ça nous fait freiner, en fait, directement. Parce qu'il y a tellement de grip sur les voitures que ça ralentit. Allez, on va faire start. On va faire quitter. Et on va faire oui. Je vais vous montrer l'éditeur de circuit. Et après, on commencera vraiment le mode carrière. Alors, le mode. Voilà, donc on va faire start à nouveau. C'est un petit peu dommage à chaque fois de revenir sur le menu start. Enfin, bref, je trouve ça un peu bizarre. Alors, on va faire un éditeur de circuit. On va voir comment ça se passe. Ah, regardez. Donc, on a un panel. Je peux modifier. Voilà, je peux modifier la hauteur, etc. Je peux, j'ai l'impression, me déplacer. Voilà, sur les côtés, avec la... Alors j'utilise le pic analogique là, pour faire ça. Je sais pas si je peux tourner. Oui, je peux tourner. Si je fais rond, je place. Voilà. Alors j'ai pas l'impression qu'on puisse changer par contre de... Ah voilà, on a un panel. Donc là en fait, avec Start, je peux choisir. Si je vais par exemple panel... Voilà, là je peux choisir le type de panel, donc je peux choisir le, par exemple, là on voit que c'est du dirt, c'est du gravier, enfin de la terre. Je peux changer, voilà, avec ça, je vais mettre un pipe si je veux, un bridge, crossroad, chicane, je vais mettre une chicane par exemple, bon voilà, c'est juste pour vous montrer. Là je vais changer de côté, donc on va en mettre, on va changer le panel, on va mettre... Ici, on va mettre un panel straight, voilà, comme ça. Donc on va en faire 1, 2, 3, 4. Ici, je vais faire un petit virage. Donc normalement, c'est un panel qui doit être en forme de virage, voilà, corner. Dans round corner, square corner, on va mettre un round corner. Alors, je sais pas si j'en ai d'autres après la chicane, peut-être que je peux en avoir en dessous. Non, vraiment, j'ai que ça.
Donc on va mettre un round corner, voilà. On va placer ici. Donc, je vais essayer de finir le circuit, enfin un petit rond. Hein. Pardon. On va faire un petit rond. Et on va voir ce que ça... On peut passer les items, donc pour le moment sur le panel, on va continuer à faire notre circuit, on mettra les items derrière. Donc on va faire un round corner. On va placer comme ça. Bon, une fois qu'on a compris, c'est pas très compliqué. Là on va mettre du coup un panel tout droit à nouveau. On va faire un straight, puis après au milieu on va faire une petite chicane. Voilà, 2, 3, 4. Voilà, on va mettre encore un... on va mettre un petit saut, pourquoi pas. Allez, ici on va mettre un petit saut comme ça. Encore un petit saut là. On va mettre dans les panels, on va mettre... là, on a l'impression que ça se réduit, donc on va peut-être pas faire ça. Je voulais mettre une petite chicane, j'aime bien les chicanes, c'est sympa. Voilà, crossroad, chicane à la sortie, histoire de rendre le truc un peu plus compliqué. Ici, on va mettre un virage, à nouveau. On va mettre un square corner cette fois-ci. On va changer de sens. Voilà. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait aussi un éditeur de circuit sur le jeu de jet ski. Enfin, jet ski, oui, de jet ski sur Dreamcast. Faudra qu'on voit ça. On va faire un round corner. Non, même pas. On va faire comme ça. Ah, du coup, je l'ai mal placé. On va faire panel. On va mettre un straight à nouveau. Voilà. Bon, c'est pas le circuit le plus intéressant, évidemment. Hein, c'est, vous pourrez faire ce que vous voulez après de votre côté. Là, on va faire un court droit. Voilà, comme ça, on va finir dans un virage. Et on va mettre un round corner qu'on va placer comme ça, évidemment. Et on va arriver sur l'arrivée. Encore un petit start. On va faire panel. Il y a un petit banking, ce qui fait qu'on est un petit peu sur les côtés là. Et je pense que je l'ai mal fait mon banking parce que ça va pas passer. Bon, c'est pas grave, on va juste tester, on va mettre le mode item, on va voir un petit peu. Alors, voilà, je peux placer les items. Voilà, donc en gros c'est les bonus, hein, donc on va en mettre un peu partout. Voilà, et on peut en mettre jusqu'à 20. Yes, on va sauvegarder. On va faire start et on va faire du coup sauvegarder. On va l'appeler no name, hein, c'est pas très grave. Voilà, donc là on va l'enregistrer. Et je pense que maintenant on peut faire du coup excite, je pense. Voilà. Et je pense que maintenant on va pouvoir l'utiliser. Mais alors je sais pas comment, on va découvrir ensemble. Voilà, on va faire en piste. On va faire course unique. Voilà, on va aller chercher. On va aller prendre, bon, peu importe la voiture, c'est juste pour tester, on va prendre Harvester cette fois-ci. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que bah je peux pas choisir mon circuit. Alors c'est pas dans ce mode-là. On va revenir en arrière. On va faire... contre la montre peut-être. Contre la montre. Attendez, on va faire contre la montre. Voilà, voilà. Je ne sais pas comment on fait en fait pour changer un circuit. Donc c'est dommage, on ne verra pas forcément ça. On va pas perdre trop de temps non plus hein, pour ça. Donc je vais vous montrer autre chose. On va revenir en arrière. On va faire. Alors il y a un mode multijoueur, donc on peut jouer jusqu'à 4 il me semble dans ce jeu. On peut faire un mode championnat. Voilà, on va prendre. On va prendre quoi comme véhicule? On va prendre la Fat Slug, non, le Dustmite. La Dustmite elle a l'air assez. Polyvalente. D'ailleurs, les deux se ressemblent beaucoup. Celle-là elle est mieux en fait, celle-là elle sert à rien. Regardez, celle-là elle est plus rapide. On va prendre le modèle de base. Il va faire la coupe en bronze. Finissez au moins 3ème pour rester en course pour la coupe. Finissez premier pour avoir accès à la prochaine coupe. Donc faut gagner la coupe, hein, passer à la suivante, jusque là rien d'extraordinaire. Il faut finir 3ème à chaque fois. C'est-à-dire que si on finit au-delà de la 3ème place, apparemment on a ses game over. Alors on n'est que 6.
8, pardon. On est que 8, on est pas 12. Donc c'est parti. Oh là, on est parti en tête à queue. Oh, et en plus, je me suis fait brûler dessus. Hop. Allez, on est reparti. On va essayer de se concentrer pour essayer de vous montrer un autre tracé. Ailleurs, qu'il y a des bols de pétanque qui se baladent. On va passer par là. Ah ouais, alors par contre, elle est vraiment très très sensible aux aléas de la route, cette voiture. Donc là, j'ai encore eu une boule. Je sais pas à quoi ça me sert à chaque fois. Ouh, il y a une explosion. Je vais utiliser ça. Ah, ça donne un petit boost. Wow, par contre le boost c'est bien sympa, mais ça rend la course très difficile. Enfin, la voiture très difficile à contrôler. Alors j'ai l'impression que c'est la variante... Non, c'est la variante qu'on a fait tout à l'heure. Ce passage est très compliqué. Voilà, on va repasser par là. Aïe, on s'est même foulé dessus. Alors vous remarquez que des fois on se retrouve du coup à sens inverse par rapport aux autres. Bon, c'est le tracé qui veut ça. Mais ça augmente un petit peu la difficulté du jeu. Donc on va... Non, je voulais prendre un item là. Ouais, c'est bon. On a un item ici. Hop. Ah bah ça a juste fait ça. Ah, ça touche tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, parfait. Ça a absorbé l'énergie, j'ai l'impression. On va passer sous la voiture pour récupérer un item. On est combien? On est 3ème, c'est la position hein, qu'il faut avoir si on veut terminer, enfin en tout cas ce premier événement. Donc on va essayer de se concentrer. Vous voyez, on a un écart quand même en mètres, hein. Ça se chiffre en mètres. 108 mètres, 90 mètres. Alors cet endroit est ignoble, j'ai du mal vraiment à contrôler. Là il y a une petite bosse, on peut passer par là. Et je me suis fait retourner, c'était super. Et c'est le dernier tour. Dernier tour, on est quatrième. Il faut absolument qu'on rattrape le troisième devant nous avec le Big Volt. Le gros Monster Truck. Voilà, pour un item. Je pense que ce sera un item suffisant. Et bizarrement, ça a pas marché, j'ai l'impression, l'item, c'est trop bizarre. On a le Monster Truck, c'est parti, ouais. Voilà, un petit saut. Et j'ai encore utilisé le boost au mauvais moment. Ah, je sens que ça va être compliqué. Déjà, on est deuxième. Allez, on peut passer, on peut passer, on peut passer. Et malheureusement, on va finir en quatrième position. Donc du coup, on n'est pas qualifié, si je me convainc. Voilà, on a 3 essais. On va recommencer, on va faire continuer le championnat. Oui, c'est pas si facile que ça, hein, mine de rien. On a beau avoir des bonnes trajectoires, etc. Pas trop faire d'erreurs. Alors attendez, parce que j'ai quand même envie de vous montrer notre circuit. Si on échoue là, écoutez, c'est pas grave, on fera en mode de course normal. J'essaierai de vous montrer d'autres tracés. Ah, les petites roquettes, c'est sympa. Ça me plaît. Vas-y, passe-moi, vas-y, passe. Je te regarde. Boum, aïe, c'est le drame. Du coup, on se reset. Voilà, on a pu utiliser la roquette à nouveau. Du coup... On est toujours premier, enfin maintenant le deuxième, on est à côté de la Vulcan Turbo qui maintenant est à 20 mètres. Alors les piles, je sais à quoi ça sert, donc on va pas l'utiliser dans ce virage là. Tout à l'heure on s'est suffisamment à voir, voilà. Voilà, je vais beaucoup plus vite. Ouh. Alors le contrôle, voilà, les contrôles sont bien. Bon, assez directif, ce qui est logique avec les petites voitures comme ça, ça tourne plutôt bien. Mais faut vraiment être précis dans la direction quand même, parce que sinon... Et on se fait avoir dans les virages. J'étais complètement bloqué. Donc cette fois-ci, on est en tête et on compte bien le rester. Alors vous avez vu que quand on se rentre dedans, il se passe rien du tout. Parce que je pense que le jeu considère que il n'est pas pas forcément dans un même tour.
J'ai tiré dans le. Dans le plot, il s'est rien passé. On va passer par là, voilà. Hop, un joli petit saut. Pour la voiture. Alors j'aurais peut-être dû garder ma roquette en fait pour le prochain tour. Pour la fin. Là j'en ai une à nouveau donc c'est bon. Bon, vous aurez l'occasion du coup de. Ce sera la première vidéo de la chaîne en 1080p. C'était de longues discussions et tractations avec Guillaume. Voilà donc finalement. On passe en 1080p. Alors évidemment ça n'a pas trop d'intérêt pour le genre de jeu sur lequel on joue, puisque ce sont des jeux qui sont qui sont pour la plupart en 320p, 480p. Voilà, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais ça sera quand même plus joli qu'en 720p, je peux vous l'accorder. Donc voilà, cette vidéo sera la première en 1080p et devrait être la première d'une longue série. Alors pour l'instant on est premier. Soit soutenir, on a 100 mètres d'avance, hein, donc vraiment là si tout se passe bien on devrait remporter la course. Du coup, c'est bien, je vais pouvoir vous montrer un petit peu la suite. J'ai réussi à le prendre à fond ce virage pour une fois. Alors j'imagine qu'on aura sûrement en meilleure voiture à la fin peut-être des Formule 1 ou d'autres types de véhicules. Ce qui serait pas marrant, ça serait de pouvoir avoir des courses dans l'eau avec par exemple pourquoi pas des petits bateaux, ce genre de choses. Donc voilà, donc on est premier. On marque des points du coup, les 6 premiers marquent des points, 10, 6, 4, 3, 2, 1, bah, comme en Formule 1 à l'époque d'ailleurs. On a le mode ralenti, mais on va continuer le championnat. On va essayer de voir la prochaine course, ce que ça donne. Et là on est dans un supermarché, j'ai l'impression. Allez c'est parti, je ne connais absolument pas le tracé donc on va le découvrir ensemble, autant le premier j'ai testé un petit peu avant, autant celui-là je le connais pas du tout. Alors, je sais pas où il faut aller. Ah ok ça glisse. Oh mon dieu. On dit qu'on est dans une chambre froide. C'est bon, j'ai réussi à passer. Alors là on a vraiment ressenti la différence de grip. Ça a été vraiment bien fait. Je vais me passer pour les côtés. Alors vraiment voilà, ce qui est sympa. Vous l'aurez compris dans ce jeu, c'est déjà bon, on a la petite voiture jusque là. C'est le côté un petit peu miniature. Voilà. C'est conduire dans des endroits totalement improbables grâce à ça. Alors là j'essaie d'avoir le grip mais c'est super difficile. Non ça va, ça glisse mais ça va. Ouh, c'est pas évident. Mais j'ai vraiment aimé l'effet. Voilà, l'effet glissade est vraiment bien rendu, c'est saisissant. C'est pour ça que je trouve qu'au niveau maniement, le jeu, il n'y a rien à dire. Il est très intéressant. Attention à la porte. Et après on glisse en changeant de... de conditions de course. Et là regardez. Je pars en tête à queue mais vraiment mais... Comme un nul quoi, c'est... Oh mon dieu. J'ai remis de la puissance. Et du coup je pars encore à la faute. Bon, on est troisième. Ouh, il s'est loupé le deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me loupe, on va accélérer vite. Attention à la porte, c'est bon. Alors là, j'ai regardé les thèmes que j'ai, je sais pas tout ce que c'est. On aurait une théière, ou ça peut être de l'huile. Ah, d'accord, ok, ça met de l'huile sur le... C'est-à-dire de l'huile sur le feu. Ça met... Ah, il faut vraiment pas ralentir, en fait, sur cette partie-là, il faut... C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Je crois que j'ai mieux contrôlé la première fois. En tout cas, on est troisième, on va essayer de le rester pour... Oh! Je me suis fait rouler dessus. Non, c'est pas le moment de perdre, hein. C'est pas le moment de perdre. On est à la fin, voilà, troisième. Du coup, on va pouvoir montrer un petit peu la suite. Et donc au niveau des points, bon je pense qu'on est plus en tête. Ah non toujours, avec un petit point d'écart sur la Volcan Turbo. Donc on va faire continuer le championnat. Essayer de vous montrer la troisième course. À la limite on va voir le championnat entier, hein, jusqu'où ça va. Si je vois qu'on galère un petit peu trop, bon mais tant pis, on s'arrêtera là. Ouh regardez, un petit effet de glace. Alors là on est dans un...
Dans un musée peut-être. Voilà l'effet de transparence. Je me suis totalement loupé. Ah ça glisse vachement par contre sur le. Sur ce revêtement on dirait vraiment en marbre lisse, enfin, c'est bizarre. Ah ouais ça glisse vraiment. Oh là là mon dieu. Il faut que je passe par là, oui. La flèche nous aide toujours. Et alors là j'ai deux endroits. Je peux aller à droite ou à gauche, on va passer. Oh il y a des planètes, regardez. Oh c'est un peu psychédélique quand même comme comme circuit, j'ai l'impression d'être une base, dans une base maintenant. Alors la musique a changé derrière, on dirait une musique, mais j'ai l'impression d'avoir la musique de Need for Speed 3. Alors vous l'entendez peut-être pas assez fort, moi je l'entends en tout cas très très faible, mais je pense que vous l'entendrez un petit peu mieux. Bon, on a réussi à passer le premier tour. En revanche, je suis vraiment mauvais. Ouais, en plus, à chaque fois, je me fais avoir de la même manière. J'ai du mal à comprendre comment accélérer dans ces zones-là. En fait, il y a là à fond, en fait. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'en y aller à fond, ça. Ça passe beaucoup mieux. Allez, sur l'escalator. Je suis sixième. Alors, je pense qu'on va. On va échouer ici. Parce que franchement, j'ai vraiment trop du mal à gérer le grip sur ce tracé. Ah, ça sert à rien en plus, ils sont tous trop loin. Aïe. On a pris un peu le. On s'en a pris tout le décor. Hein. Dommage parce que j'ai des bons items, mais comme il n'y a personne devant moi, bah ça sert à rien. Allez, dernier tour. Ouais, ça passe comme ça en fait. J'ai l'impression que c'était un revêtement qui glissait vachement. Et quand on gère bien, finalement, on peut le prendre à fond. Aïe, j'ai encore loupé. Je me suis encore loupé. Je pense même qu'on va finir 7ème à cause de ça. Bon bah déjà je peux vous annoncer, on a échoué. On a échoué. Bon après maintenant, voilà je fais exactement les mêmes erreurs, ça c'est toujours mon gros défaut. Voilà, on peut juste terminer 6ème au dernier moment, histoire de changer. Oula, on voit des. Aïe! On m'a envoyé des trucs d'eau là. Bon, c'est pas grave, on annule, on abandonne, c'est pas grave. On va faire du coup quitter. Et je vais vous montrer notre tracé. Et on va s'arrêter là-dessus. De toute façon, vous avez compris le jeu. On va du coup faire start en piste. On va faire une petite course unique. Ce genre de musique, mon dieu. J'allais prendre le gros balourd là, mais il est ouf. On l'a pas le gros balourd là. Ah, c'est celui-là, voilà, le Big Volt. On va tester celui-là. Alors, c'était le musée, voilà, c'est ça. Jardin botanique, on l'a pas eu. On a fait le supermarché, Toys in the Road. On a aussi Titanic, regardez. On va faire du coup celui qu'on n'a pas fait, on va faire le Botanic Garden. Et évidemment 11 ordinateurs contre nous cette fois-ci puisqu'on est en mode de classique. Alors on est le seul gros. Aïe. Oh regardez. Bah du coup, on est parti à la faute largement. Ah en plus je fais n'importe quoi, voilà. Hop. Et ouais, c'est là où ça fourmille hein, quand il n'y a pas d'anti-aliasing sur ces consoles. Ça devient d'un seul coup assez horrible à regarder. Après niveau texture ça reste propre, c'est juste que bon voilà hein, ça a vachement vieilli. Ah bon bah merci, je sais pas que c'est qui l'a tué mais ça m'a bien aidé. Alors il tourne beaucoup moins bien hein, par contre. C'était logique puisqu'il est beaucoup plus lourd.
Les effets de lumière sont bien rendus, les effets de reflet aussi sont quand même bien faits. Là, je me rends compte surtout quand on est à l'intérieur. Ça fait n'importe quoi. On va replacer par là. Deux tours sur trois. Il y a vraiment des détails graphiques qui sont plutôt bien rendus. Vous avez les effets de lumière aussi, quand on a une explosion, la réverbération de la lumière, enfin le reflet de la lumière sur les particules, les éléments autour, est vraiment particulièrement rendu. Voilà, ici par exemple, on a l'impression d'avoir un effet légèrement transparent de la réflexion. Comme s'il y avait un effet de blur. On va essayer de se le faire, lui. Je fais n'importe quoi, on va le retaper, comme ça on est sûr. Je n'y arrive pas, hein. Vous l'aurez compris. Je suis complètement à l'agonie sur ce tracé, je suis 6ème. Et on est en mode facile. Alors je vous laisse imaginer le mode difficile dans ce jeu, mais ça doit pas être une partie de plaisir. Et je me fais pousser en plus. Ah, j'ai pris la boule. Et on termine 6ème, ce qui est assez mauvais. Bon, bah écoutez, on va faire start. Je vais vous montrer le ralenti. Histoire de terminer là-dessus. Et voilà, c'est parti. Donc une petite vue avec le carambolage au premier départ. Regardez-moi ça, toutes les voitures qui sont parties. Voilà, donc c'était Revolt sur Dreamcast. Un jeu, ma foi, fort sympathique. Si vous aimez ce genre de jeu, il y a de quoi s'amuser. Le jeu a l'air en plus assez... Après, je débute à peine, donc c'est vrai qu'il faut toujours s'entraîner pour s'améliorer. Mais le jeu a l'air quand même assez compliqué, mine de rien, pas mal de challenges à faire. Lecteur circuit aussi, qui est un plus, même si on n'a pas réussi à forcément tester la piste. Mais qui peut peut-être rallonger la durée de vie du jeu. J'imagine qu'il y a aussi pas mal de voitures. Regarde les explosions quand même. La durée de vie du jeu doit être pas mal aussi, avec les championnats à débloquer, sûrement d'autres voitures aussi à débloquer. Voilà, cette partie-là, j'aime beaucoup. Hein. Les effets de lumière ici avec les reflets, je les trouve bien faits. Voilà, donc c'était Revolt sur Dreamcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!